Pourquoi le ciel est bleu? La couleur bleue du ciel est le résultat d'un phénomène physique connu sous le nom de diffusion de Rayleigh. Ce processus se produit lorsque l'atmosphère de la Terre diffuse la lumière du Soleil dans toutes les directions, provoquant la couleur bleue du ciel que nous voyons pendant la journée. La lumière du Soleil est composée d'un spectre de couleurs, allant du violet au rouge, et chaque couleur a une longueur d'onde différente. La lumière bleue a une longueur d'onde plus courte que les autres couleurs du spectre et elle est plus facilement diffusée par les molécules de l'atmosphère terrestre, telles que l'oxygène et l'azote. Lorsque la lumière du soleil pénètre dans l'atmosphère terrestre, la lumière bleue est plus diffusée que les autres couleurs. En effet, la lumière bleue a une longueur d'onde plus courte et est plus facilement absorbée et réémise par les molécules de gaz et d'autres particules dans l'atmosphère. En conséquence, la lumière bleue est diffusée dans toutes les directions, créant une apparence bleue du ciel que nous voyons. En revanche, les autres couleurs du spectre, telles que le rouge, l'orange et le jaune, ont des longueurs d'onde plus longues, ce qui les rend moins susceptibles d'être diffusées par l'atmosphère. Au lever et au coucher du soleil, la lumière du soleil doit traverser une plus grande partie de l'atmosphère terrestre pour atteindre nos yeux, et les longueurs d'onde plus longues de la lumière rouge, orange et jaune sont moins susceptibles d'être dispersées, ce qui leur permet de traverser et d'atteindre nos yeux. Cela rend le soleil plus rouge ou plus orange lorsqu'il se lève ou se couche, et peut également créer des couchers de soleil colorés. Dans l'ensemble, la couleur du ciel est déterminée par la façon dont l'atmosphère terrestre diffuse la lumière du soleil, et la couleur bleue du ciel pendant la journée résulte du fait que les longueurs d'onde plus courtes de la lumière bleue sont diffusées plus facilement par l'atmosphère. Écrivez vos questions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.